בוקר אור בשם השם נעשה ונעשה אשר נזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est toujours le 24 mercredi du mois de juin, le bet Tammuz, veille de la Hiloula du Rabbi de Lubavitch. Zkuto yegen aleinu, shiur acheté par Yedidenu Ayakar, Rabbi Yaakov Mordechai de Genève Ayakar, qu'on embrasse très 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 fort, qui a acheté donc une série de cours et entre autres pour l'élévation du Rabbi de Lubavitch. Rabbi Menachem Mendel Ben Chana, c'est ce que je vois ici. Sruto Yagen Alenu Be'ezrat Hashem. Et on ne pouvait pas mieux faire pour cette Mishnah-là. D'abord de lui offrir un shiur, c'est magnifique. Pour la Hiloula du Rabbi Lubavitch, c'est vraiment grandiose. Demain, il y aura Bli Neder, que Dieu nous prête longue vie, aussi un shiur qui a été acheté par Aaron et Eliyahu Meslati pour le Rabbi Lubavitch. Donc on fera aussi un shiur. Mais là, on est dans Maseret Avot. Et je trouve que la Mishnah qui tombe, que on va lire maintenant, tombe à pic avec le Rabbi Lubavitch, parce qu'on peut dire que c'est vraiment un exemple, un symbole, une perfection dans le domaine de cette Mishnah-là, qui est exemplaire pour nous. Alors, Boni Rebbe Yachad, on est dans Mina Shamaim, je n'ai pas fait exprès, Mishnah Gimel, hein, Gimel Tammuz, Gimel au niveau de la Mishnah, quatrième chapitre de Maseret Avot. Donc d'abord, avant tout, Yaakov Mordechai, Ayakar, que Akadosh Baruch Hu te comble de richesses spirituelles et matérielles, le mariage de tes enfants, la réussite dans tous tes domaines, et si Dieu veut la Alia, aussi pour toi, Betnaim Tovim, pour venir vivre la Geoula, Beret Israël. Avec votre permission, comme c'est un shiur pour le Rabbi Lubavitch avait un amour incontestable pour le peuple d'Israël, incroyable. Et voilà, j'aimerais vraiment que ce shiur aussi, je sais que notre ami Mordechai Yaakov Mordechai de Genève, partagera cette idée, que ce soit pour votre réussite à tous, parce qu'on peut dire que le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha Behemet, était un homme qui n'avait que de joie quand il entendait son peuple heureux, et quand il entendait des gens tristes, il avait de la compassion pour eux, à l'image des plus grands maîtres du judaïsme. La Mishnah nous dit, donc à votre réussite à tous, Be'ezrat Hashem, n'oubliez pas ce soir, huile d'olive, d'allumer une bougie, de mettre trois pièces, en l'honneur, on ne dit pas les Ilui Nishmat, on n'a pas élevé son âme, je pense qu'à son niveau à lui, c'est plutôt lui qui nous élève d'en haut, pour ce saint et vénéré extraordinaire personnage, digne des plus grandes histoires des Tanaïm. On peut dire que le Rabbi Lubavitch a à son insu tellement d'histoires, il y a tellement de livres qui ont été écrits sur chacun de ses mots, de ses gestes, que jusqu'à aujourd'hui, et surtout, et j'insiste tellement, étudiez ce qu'il a écrit, au lieu de vous attacher aux photos. Les photos, c'est bien, mais il y a plus important qu'une photo d'un grand. C'est de lire ce qu'il a écrit, quand on voit ce qu'il a écrit sur les fêtes, quand on lit ce qu'il a écrit sur le Shabbat, la paracha de la semaine, on se rend compte que Béhémet, on est face à un personnage qui englobe une sagesse qui est tellement importante qu'on peut changer grâce à cette Torah, surtout que le Rabbi a enseigné dans les temps modernes dans lesquels nous vivons un message universel de la Chassidoute, venu d'abord, bien entendu, du Baal Shem Tov, du Admor HaZaken, Bemagbil, la Torah de Rabbeinu, qui englobe toute la Chassidoute, et même plus que cela encore. Mais on peut dire que le travail phénoménal du Rabbi de Lubavitch a été quelque chose d'historique, puisque pour moi en tout cas, je le dis peut-être en mon nom et en ceux qui l'ont connu et qui ont étudié un peu son histoire, pour moi le Rabbi Lubavitch, c'était vraiment le Moshe Rabbeinu de la génération à un très haut degré, puisque son travail se perpétue encore aujourd'hui, même si je fais, parce que c'est pas une critique, quand même une différence entre le mouvement et le Rabbi lui-même, sur certains points seulement, uniquement. Quelques petits points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec le mouvement, parce que le Rabbi lui-même ne l'avait pas cautionné. Quoi qu'il advienne, il y a toujours un peu de Chelbena, vous savez, dans les encens du Beth Amikdash qui sont extrêmement bons, il y avait toujours quelque chose. S'il n'y a pas un mitneged, s'il n'y a pas un petit truc qui ne va pas, c'est que quelque part, ce n'est pas si parfait que ça. Vous voyez, un enfant, il n'y a pas plus beau au monde, et pourtant, il n'avait qu'une imperfection, il faut faire la brite. Donc jusqu'à ce que toutes les alliances de toutes les tendances se réunissent un jour, Bezrat Hashem, comme on le fera dans notre binyan à nous, grâce à notre travail d'équipe, notre travail ensemble, eh bien, chez nous, c'est prévu que les Lubavitch étudient avec tous les autres. Ensemble, on peut y arriver et montrer qu'on n'a qu'un seul et unique général en chef, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que nous dit cette Mishnah? Gimel,
pour le Guimel du mois de Tammuz. Al Tei Baz Lechol. Alors d'abord qui parle, c'est Ben Azaï, bien entendu. On en a parlé hier. Al Tei Baz Lechol Adam. Fais attention, nous dit la Mishnah. Ne base, base en hébreu et en français, ça veut dire la même chose. Ne base jamais une personne qui vient te voir. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas et tu ne connais pas. Tu ne comprends pas qui est ce personnage. On a beaucoup d'exemples à donner. La Gemara nous raconte l'histoire d'un jeune goy qui avait un nez de porc, qui remontait. Et les enfants juifs ne cessèrent de se moquer de lui. Ce qu'ils ne savaient pas, ces enfants, c'est que ce camarade de jeu était voué à venir et à devenir plus tard l'empereur de Rome. Ce qui, bien entendu, créa chez lui une haine du juif. Et le premier décret qu'il proclama en tant qu'empereur de Rome, c'est l'extermination des juifs en Israël pour se venger de ses douleurs personnelles et de ses blessures où des jeunes juifs lui disaient « T'es un porc, t'as une tête de porc, tu n'es qu'un porc. » La Torah nous dit « Fais attention. Que tu n'aimes pas quelqu'un pour tes raisons, c'est ton problème. Mais respecte. Tu ne sais pas qui il est. Et tu ne sais pas ce que demain lui réserve. La reine, sois toujours quelqu'un d'agréable, aussi bien aux yeux des uns qu'aux yeux des autres. Pas parce que tu as peur, pas parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est cette personne. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu l'a créé. Et si Dieu l'a créé, respecte cette dimension-là. Ok, si tu ne veux pas l'honorer, c'est une chose. Mais lui manquer de respect, c'est encore autre chose. Pourquoi je trouve que c'est parfaitement relié au Rabbi Lubavitch ? Parce que quand on voit toutes les vidéos de nombre de juifs, de tout milieu, de tout rang social, quand on voit le nombre de non-juifs, des présidents jusqu'aux personnes les plus simples, comme un motard à l'époque à New York, un motard, tu vois pas qui c'est, un motard qui est sur sa moto et de la gendarmerie, enfin de la police new-yorkaise qui emmenait le rabbi sur la tombe de son beau-père. Et le rabbi sort comme ça du cimetière, je fais une parenthèse, et ce motard lui dit « Écoutez, je vois que vous êtes un saint homme, ça fait plus de 10 ans que je suis marié avec ma femme, je ne suis pas juif, mais peut-être que la bracha du saint homme pourra me donner un enfant. » Voilà que 9 mois plus tard est né un beau garçon. Vous savez comment il a appelé ? C'est un portoricain, goy portoricain chrétien. Il a appelé son fils Menachem au nom du rabbi de Lubavitch. Incroyable. Moi, je ne sais pas, j'aurais été le rabbi Lubavitch, un goy qui vient de voir comme ça et qui dit « j'ai pas d'enfant, je vais chez le médecin, si tu veux chez moi. Va chez ton curé, tu crois en ce que tu crois, non ?» Le rabbi Lubavitch, il avait une situation, vraiment, quand je vous dis que c'est tafour à l'âme, « Altie et bas lechol adam » il ne basait personne. « Tu as besoin de moi, je peux t'aider, je vais le faire. » Incroyable, incroyable. On compte une très belle histoire qui se passe aussi à New York. Alors là, par contre, il s'agit d'un juif qui cherche du travail. Il est installé à New York depuis peu et il cherche un travail. Et après avoir envoyé son CV dans toutes les grandes sociétés, il aura enfin, après plusieurs mois, un coup de fil où on lui propose simplement un entretien à un rendez-vous fixe un mardi matin pour lequel il se doit d'arriver à l'heure. Et la secrétaire lui dit que le PDG de la société lui-même recevra les 3 personnes qui doivent se représenter, donc les 3 CV qui ont proposé leur service. Surtout, comme il a un emploi du temps très chargé, ne pas venir en retard, sinon ce n'est même pas la peine de venir. Top. Cette personne-là prend la voiture et se retrouve moule, comme on dit moule en hébreu, c'est-à-dire en face d'un accident qui vient d'avoir lieu devant lui. Et là, bien entendu, il commence à bloquer les routes. Il est très mal. Il est très, très mal. Il regarde l'heure, il est 9h20. Normalement, si ça roulait, il arrivait à l'heure. Le temps de trouver une place, c'est pas évident à New York, mais il était à l'heure. Et là, il ne sait plus quoi faire. Tant bien que mal, il appelle la secrétaire en lui disant « Écoutez, je n'y suis pour rien, je suis sorti à l'heure de chez moi, il y a juste un embouteillage devant moi. » La secrétaire lui dit « Écoutez, si vous ne venez pas à 9h, ce n'est pas la peine de venir. » Le PDG est très, très, très pris.
c'est une tova qu'on vous fait. De plus est, de qui plus est, vous n'êtes pas seul à vous présenter. Vous avez des concurrents qui viennent. Donc, peut-être que vous devriez renoncer. La personne, non, Didi, je ferai tout pour être là-bas à 9h, vous inquiétez pas. Je suis désolé de vous avoir dérangé, pris de panique. Il essaie tant bien que mal de quitter la voie dans laquelle il est pour quitter ce bouchon infernal. Et comme les rues new-yorkaises sont quadrillées, eh bien, il arrive enfin à s'échapper en perdant 10 minutes pour arriver dans une autre artère qui l'emmène, Bezrat Hashem, dans une autre voie qui l'emmène dans la même direction. Très content de pouvoir enfin rouler. Il voit une espèce de Cadillac sur le côté droit, avec un homme, avec un jerrycan dans les mains, qui presque se met face à lui, en l'arrêtant presque de force, et lui dire « Je vous en prie, rendez-moi un service. Faites demi-tour avec moi. Il y a une pompe à essence, à même pas un kilomètre d'ici. Je suis en panne et très pressé, je dois absolument arriver au travail. Je vous en prie. » Et là, ce juif regarde le ciel. Il dit à Dieu avec ses yeux, « Mais pourquoi tu me fais ça? Tu me fais un bouchon, je cherche du travail, il me reste 5 minutes avant d'arriver maintenant. C'est juste au coin de la rue ici, enfin, au coin de la rue aux New York, c'est encore 2 kilomètres, 3 kilomètres. Je suis pas loin, je peux y arriver. Et toi, tu me bloques avec quelqu'un qui m'arrête comme ça en plein milieu de la route. » Et il se souvient de cette Mishnah qu'il avait étudiée juste un mois avant. Et son rave lui avait dit « Alti ebaz lechol adam ». Quand quelqu'un vient te voir, ne sois pas « pousse-toi, dégage, je vis ma vie ». Qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Bon, de toute façon, c'est même pas sûr que j'ai le poste, il y a 2 autres personnes qui sont là-bas ». Il lui fait un grand sourire et lui dit « De toute façon, au point où j'en suis, rentrez dans la voiture ». Il rentre, cet inconnu, dans la voiture et va à la pompe à essence. Ils attendent encore un peu de temps, il est déjà 9h20. Il ramène le monsieur, il lui dit « Vous voulez un coup de main pour le mettre dans le jerrycan ?» Le jerrycan dans donc l'essence dans la voiture. Et à ce moment-là, le monsieur lui dit gentiment « Non, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, vous m'avez rendu un grand service, je suis tellement en retard dans mon travail. » Et donc l'homme se gare, il arrive, donc le juif arrive comme ça en bas de l'immeuble, il cherche une place et il ne trouve pas. Il est déjà 10h moins 20, il est très mal. Il dit « Bon, l'Eishtadout a été faite. Tout est entre les mains d'Hachem. C'est pas Dieu, si ce n'est pas Dieu qui donne le travail, alors qui? Qu'est-ce que j'ai peur? Dieu est au-dessus du temps. Je n'ai fait que de bonnes choses. Inematov umanaim. » Il monte et à sa grande surprise, il voit que les 2 hommes, qui eux s'étaient aussi présentés pour le poste, sont toujours assis avec leurs mallettes, bien fripés, bien habillés comme ça, et attendent. Alors, il s'assoit, il voit qu'il leur demande comme ça, « Bonjour, bonjour, vous êtes déjà passé ?» Il dit « Non, toujours pas. » Et à ce moment-là, une porte s'ouvre, il se retourne, et à sa grande surprise, l'homme qui ouvre la porte n'est autre que celui qu'il venait d'aider, juste un instant avant, à récupérer de l'essence pour sa voiture. Et l'homme le regarde droit dans les yeux, il dit à la secrétaire, qui sont ces 3 hommes? Il dit, bien, ils sont venus pour le poste du rendez-vous de 9h ce matin. Et ils vous attendent, monsieur, depuis 9h. À part celui-là. Il lui dit, Tov, très bien. Il appelle comme ça, il lui dit, vous venez en premier. Alors un des deux lui dit, non mais écoutez, on était avant lui. Et à ce moment-là, le PDG de la société les regarde et dit, non, je suis désolé, le poste était déjà pour lui depuis plus de 20 minutes maintenant dans mon esprit. Quand il est rentré dans son bureau, il lui parle comme si ils étaient 2 amis parce qu'ils ont eu le temps de parler dans la voiture, où il lui a déversé un peu sa situation, qu'il était arrivé à New York depuis déjà plusieurs mois, qu'il cherchait absolument un travail, et que, est-ce qu'il faisait, ou est-ce qu'il avait travaillé. Ce qui fait que quand le PDG l'a vu, non seulement il a trouvé quelqu'un de serviable, quelqu'un de gentil, mais il a fait connaissance en dehors du bureau, donc dans une honnêteté, une simplicité, où il avait déjà acheté sa place avant même de le savoir. Alors il lui a dit, vous voyez, j'avais rendez-vous aujourd'hui à 9h avec vous, mais chez nous les juifs, il y a une Mishnah qui dit, Alti ebaz lechol adam, ne base jamais une personne, parce que tout est entre les mains d'Hachem. Il lui a dit, effectivement, si tu ne t'étais pas arrêté, je n'aurais pas fait ta connaissance, je n'aurais pas su qui tu étais, et je ne t'aurais pas fait autant confiance que je te fais confiance maintenant. Bien entendu, on va discuter tout de suite de ta paye,
parce que tu es engagé et que ce que tu m'as expliqué dans la voiture correspond parfaitement à ce que je recherche. Ainsi, cet homme, la Baruch Hashem, Bashgacha Pratit, a pu trouver non seulement un travail, mais de qui plus est aussi un ami, puisque ce PDG non-juif deviendra un très bon ami dans l'histoire, en tout cas, qu'on a appris de ce juif dont on parle. Alti ebaz echol adam. Les choum adam. Et les chachamim nous disent, quand on dit tout homme, c'est tout homme vraiment. Vechen amar Shlomo dans Mishlé, baz lereu, haser lev. Le roi Salomon nous dit dans Mishné, chapitre 11, verset 12, celui qui base un homme, on peut dire qu'il manque de cœur. Amrou chachamim, l'olam yu bene adam, lefanecha, kelistim. Alors il dit comme ça, même si on sait, et vous mechabdam, que tu dois te méfier de tout homme et estimer que toute personne qui vient te voir, c'est très bizarre comme enseignement, le judaïsme nous enseigne que quand tu ne connais pas une personne, considère-le toujours comme quelqu'un qui te veut pas spécialement du bien. Méfie-toi beaucoup, mais attention, respecte-le autant que cela. Comme tu ne sais pas, chajdeu vechabdeu, méfie-toi. Mais, ne fais pas confiance, sois pas simple. Ah, il m'a dit ça, bon, c'est bon, il veut me proposer une affaire, ouais, c'est bon. Non. Tu vérifies tout, tu le connais pas. Et je peux vous affirmer une chose, combien on pensait connaître les gens et on les connaissait pas. Combien on a découvert de choses après. Alors que, pendant des années, jamais on n'aurait imaginé une chose pareille pouvant venir de lui. Pour le meilleur, comme pour le pire. Caraman, je me dis, top. Ensuite, deuxième enseignement, ave al tie ma flig, l'echol d'abar. Et ne dénigre pas, ne t'éloigne pas de toute chose, c'est l'eau. Al tie marhik, l'echol d'abar, n'éloigne pas toute chose aussi facilement de toi. Klomar, c'est l'eau, tarchov al shum d'abar, shum yuta, vien aolam tsarichbo. Ça veut dire quoi? Ne crois pas que ce que Dieu a créé, le monde n'en a pas besoin. Fais attention à ne pas tout jeter. Vérifie bien. Avant de te débarrasser de quelque chose, que cette chose peut être un jour utile pour toi. Car il peut arriver que tu vois par exemple des objets sans aucun besoin dans ce monde, ou choses, comme des animaux, comme par exemple les mouches, les parouchim, les yetushim, les moustiques, ou toutes sortes d'animaux nuisibles à tes yeux. Ne crois pas que si Dieu les a créés, ils ne servent à rien. Car ils ont un but et représentent l'équilibre de la nature sans lequel la nature risquerait de pencher à droite ou à gauche. Et si cela n'a pas été une réponse pour toi, te disent les chachamim, alors n'oublie pas que c'est une créature aussi de Dieu et que si Dieu l'a créé, qui tu es toi pour l'empêcher d'exister. Klomar, af ba'em, yesh toelet la'olam. Car au-delà de ton esprit et de tout ton savoir, le créateur du monde a estimé qu'il forme un équilibre dans le monde, d'où l'importance pour eux d'exister. Alors, Kim Jarasa veine tov meod, comme c'est marqué à la création du monde, car quand Dieu a vu tout ce qu'il avait créé et ce qu'il créera, il dit à ce moment-là, tov meod, tout ce que j'ai créé a une signification. Ça rappelle un peu l'histoire du roi David, qui a posé la question à Dieu, pourquoi tu as créé l'araignée, pourquoi tu as créé le frelon? Et on a vu que ces deux animaux ont sauvé la vie du roi David. Kol ma she'asa kadosh baruch hu be'olamo, il a fait à ça, quand lui dit le Midrash Tehilim, il faut savoir que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, que ce soit des plus hauts et des plus beaux anges jusqu'aux pires démons de ce monde, tout ce qu'il a créé forme un équilibre absolu dans les mondes parallèles, même si nous, on ne comprend pas pourquoi le bien et le mal peuvent-ils être au même niveau. Shen lach Adam, Shen locha. Car il faut savoir que tout homme sur terre aura son heure de réussite, son heure d'efficacité pour sa famille, sa communauté, sa ville, son pays, ou plus encore. Shibali trom karano baolam. Car tout comme chaque rayon du soleil vient éclairer un endroit automatiquement dans l'univers, de la même façon, un juif comme un non-juif sont, à un moment ou à un autre de leur vie, un rayon de soleil pour, à des degrés différents, comme on l'a dit tout à l'heure, eux-mêmes, leur famille, leur communauté, leur quartier, leur ville, le pays, ou au-delà. Tseulma miftach agiladi. Prenons le cas d'un homme insignifiant au sein de l'histoire. Iftar Agil Adi, celui qui serait venu la prostituée, qui a été basé par toutes les sociétés de son époque et qui s'est même retrouvé à vivre dans la nature, dans des grottes,
Et cet homme-là, donc Iftar Agil l'a dit, a été renvoyé de toutes les villes où il était, Menachalat, Avota, Ve'aya, Lerosh, Anashim, Rekim, Pourzan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, comme il a été renié par sa famille, renié par la ville, renié partout où il allait, il est parti vivre dans la nature et il s'est attaché à des gens barbares qui se sont mis sous ses ordres. À un tel point qu'il avait tellement créé une horde de barbares, d'hommes extrêmement forts, qu'il était devenu important parmi ces gens-là. Ils en avaient fait le roi. Seulement voilà, au sein du peuple d'Israël, Moab décide d'attaquer le peuple d'Israël avec Amon. Et la situation est tellement dramatique que l'armée ennemie est tellement imposante que les enfants d'Israël vont avoir peur. Et qui c'est qu'ils vont aller voir? Iftar Agiladi. Viendra l'heure de cet homme-là qui avait été oublié de l'histoire volontairement et qui se retrouvera, lui, à sauver le peuple d'Israël entier, à un tel point que Iftar fait partie des héros de l'histoire juive, alors qu'il était considéré comme étant oublié de l'histoire. Anche Gilad Betzar, la M Panu Elav le Ezra, et la M le Moshia le Shofet, et ils le nommèrent roi, d'une certaine façon, au-dessus de un homme oublié de l'histoire, mais qui montra un tel degré qu'il deviendra le premier ministre d'Israël. Qui aurait cru un jour une telle chose? Vous savez, ça me fait rire parce que quand on voit l'historique comme ça dans Wikipédia, entre autres, des présidents de pays et tout ça, on montre les photos d'école. On voit des enfants qui sont assis, un peu turbulents. Et souvent, tu entends leur professeur, quand il les voit devenir premier ministre d'un pays ou président d'un pays, dire « C'est incroyable, il était nul à l'école, il se bagarrait tout le temps. » Qui aurait cru qu'un jour, c'est lui qui prendrait la tête d'un pays, d'une armée, de grandes décisions aussi bien sur le domaine politique, intérieur et extérieur, sur le domaine de la bombe atomique, sur le domaine des relations avec les autres pays. Ce garçon que j'ai vu grandir, ce garçon que rien n'est prévu à l'avance, il faut toujours se méfier parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire et que si on suivait les conseils de la Torah, de respecter toute personne, alors peu importe son avenir, puisque n'ayant fait de mal à personne, on n'aura jamais de problème avec toute personne, ne sachant même pas qui il était avant et peu importe ce qu'il deviendra demain. Zeperusha Davar, Shiniske Bezrat Hashem, de suivre l'exemple du rabbi de Lubavitch, qui avait, lui, qui était si haut, une grande, 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 extraordinaire vertu, c'est celle de mettre à son niveau, à lui, toute personne qui venait en face de lui. Homme comme femme. On voit des femmes lui parler, il baisse la tête comme ça, il écoute. On voit des hommes lui parler comme si c'était son pote, et il écoute. On voit des enfants, et il écoute. Alors, il y a deux choses que j'aimerais dire pour le rabbi Lubavitch, aujourd'hui particulièrement, donc la veille de Saïloula. La première, c'est que le rabbi Lubavitch, il disait toujours, ne dis jamais Bet Rolim, l'hôpital. En hébreu, se dit Bet Rolim, la maison des malades. Il disait, il faut toujours positiver avec la bouche et dire Bet Refoua, la maison de la guérison. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'il avait l'habitude de dire, comme il a dit dans un discours très prononcé, il ne supportait pas le mot handicapé. Neche. Il dit le mot handicapé est péjoratif. Parce qu'il n'y a pas plus. Écoutez bien, regardez la chassidoute du rabbi. Le rabbi de Lubavitch disait, il n'y a pas plus complet au monde qu'un homme handicapé. Pourquoi? Il dit parce que si cet homme-là est venu handicapé sur Terre, c'est qu'il a atteint un tel degré, un tel niveau, que son handicap représente son dernier tikkun. Ça veut dire qu'il est arrivé à la fin de son tikkun puisqu'il lui manque quelque chose, parce qu'il va... Il dit ce manque extraordinaire, c'est exactement ce qui complète ce qui lui manquait pour entrer dans son Gan Eden. Et le rabbi Lubavitch avait dit que quand vous êtes face à une personne que vous définissez comme handicapée, sachez que vous êtes face à une personne qui a un très 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 haut niveau d'âme. Très haut niveau. Et la reine, comme il dit souvent, dans un discours, il a dit « Je souhaite à beaucoup de gens qui possèdent tous leurs membres d'arriver avec autant de courage que des gens à qui il manque des membres et qui sont pourtant sportifs, actifs, créateurs, et ainsi de suite. Malgré leur handicap, ils ont complété par leur volonté ce que des hommes complets n'ont jamais réussi à accomplir. Combien on peut prendre d'exemples sur ces hommes qui sont aussi complets que nous, malgré le fait qu'il leur manque quelque chose, car ce manque-là, en réalité, n'est autre que la complétude de la grandeur d'âme qui vit dans leur corps. Signé
Rabbi Menachem Bendel, Rabbi de Lubavitch, Zchuto Tagen Aleinu. Kol Tov, Yom Tov et Sameach, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, et une fois de plus, merci d'acheter des shiurim. On n'a pas beaucoup de dons en ce moment, c'est très difficile, on comprend. Ce qu'on reçoit, on le redonne automatiquement, comme vous le savez. Mais Toda Rabba pour nous suivre, et Bezrat Hashem, Sheniske Lagdil Torah Ladira, de construire ce beau bâtiment, ce beau monument, pour le meilleur de nous tous, la Tid Labo. Ken? Torah Traim Ponet, me dit ma femme derrière l'écran, que Dieu la bénisse, elle et son mari. Ken, Torah Traim Ponet, vous avez plus de 2600 cours sur tous les sujets. Par achat de la semaine, vous avez beaucoup de questions pour le Moshe qui tape le rocher. J'en ai déjà parlé. Et on aura un cours blinéder sur la paracha de la semaine. Ce soir, j'ai une croupa à faire à César et donc un grand mazel tov pour le couple. Il n'y aura pas cours ce soir sur les prénoms. Sur ce, je vous laisse. Bezrat Hashem, vous préparez à cette belle journée et à l'Eiloula du Rabbi de Lubavitch. Kol tov velitraot.